nous on est l'association des cartonnades. L'objectif c'est de créer une armure pendant des heures, ça peut aller jusqu'à 120 heures pour les plus passionnés, et de tout détruire dans un match, dans un jeu de 5 minutes. De 5 ou 10 minutes. Voilà, enfin alors c'est plus proche de 10 minutes. L'objectif est de rester avec une armure qui tienne sur le corps. Voilà. À partir du moment où vous n'avez plus d'armure, vous êtes éliminé du terrain. Alors chaque combattant doit se construire une armure. Les combattants, c'est les adhérents de l'association. Donc, pour combattre, il faut être absolument adhérent à l'association. Et c'est pour les personnes majeures, donc à partir de 18 ans. Et avoir une âme de grand enfant. Il faut juste aller sur internet, il y a un bulletin d'adhésion en ligne. Il faut m'envoyer le petit bulletin que je reçois chez moi. Alors nous on est basé à Dijon. Et il est possible de nous retrouver C'est super difficile de se concentrer. Il est possible de nous retrouver donc soit sur Dijon, soit ceux qui souhaitent pour un événement particulier nous inviter. Et nous on fait de la fabrication tout le week-end comme ici. Et en fin de week-end ou en fin de journée, on fait un combat tous ensemble. Salut, bah moi c'est Lucas, je m'appelle Perry Lucas, mon nom de stand c'est Narvaluk et je fais de la peinture surtout Dragon Ball Z. Après je suis ouvert à tous les mangas pour toutes les commandes, quoi que ce soit. Même si je connais pas, ça me fait découvrir d'autres mangas d'ailleurs. Je regarde des épisodes et puis je me fais une idée. J'ai déjà fait des expos mais c'était plus sur des festivals de musique, donc c'était pas trop le cadre pour ça. Et là franchement l'ambiance c'est vraiment autre chose, ça fait plaisir. Je suis originaire de Bourgoin dans l'Isère, là tout de suite j'habite à Meximieux dans l'Ain. Je fais ça le soir chez moi tranquille et le week-end surtout. Et après c'est un projet ouais, d'aller plus loin et d'en vivre. Mais c'est un rêve quoi. J'ai beaucoup de gens qui me disent, je m'appelle Thibaut, T-H-I-B-O, je m'en fous, Thibaut, phonétiquement Thibaut, T-I-B-O ou en japonais Thibaut en deux syllabes. Alors le Fa, comment on va faire? On est un peu U parce qu'il n'est pas sur un tableau, par contre on peut faire ce qu'on appelle une combinaison, vous avez tous les détails sur la chaîne. Vous prenez un Fu, qu'on a ici, et vous mettez à côté un petit A, qui est tout en haut à gauche sur le tableau. Et là vous avez écrit Safa, un Safa en deux syllabes.